Ce matin avec du vent offshore, bonjour à toutes et à tous, on commence la journée avec un temps qui est couvert, moins 3 degrés dans l'eau, plus 13 degrés, une marée qui descend, le plein bas est à 13h50, les coefficients 904 sur ce descendant. Le vent passe avec un secteur sud-sud-est, 1 à 2 Beaufort, le plan d'eau est un peu ridé, les phases de vagues sont mises, et on a une houle qui est longue avec 10 à 11 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, une houle un petit peu sectionnée, en atténuation nette, sur les séries il y a 1 mètre, pas loin d'un petit mètre 20 de temps à autre, mais on va dire plutôt un mètre, avec des séries longues à venir. Il y a quand même des vagues qui passent ce matin, avec des phases de vagues qui sont lisses, des épaules un petit peu molles, des fois ça barre, des fois ça décale. Mais il y a quelques vagues qui passent sur zone, des vagues qui sont surfables ce matin. Il n'y a personne à l'eau, il y a déjà quelques surfeurs qui checkent les conditions. Les vagues sont pas méchantes, c'est facile d'accès. Il y a un créneau dont il faut profiter ce matin, car pour le reste de la journée, ça va être moins favorable. La houle va baisser un peu, mais le vent va se renforcer onshore. Il va faire la girouette un peu aujourd'hui. La bouée Arcachon est à la baisse à 1,46 secondes. À 13h, il y aura 80 cm à 1 mètre, peut-être encore un bon mètre. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest qui perd de la période, 10 secondes de période, mais un vent qui doit passer à l'ouest et se renforcer 3 à 4 Beaufort. Et à 17h, encore 80 cm à 1 mètre. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest avec un vent qui bascule nord-nord-est et qui se renforce 4-5 Beaufort. Ça va être agité pour cet après-midi, même si le vent est attendu nord-nord-est. Il y a un créneau dont il faut profiter ce matin en étant bien équipé pour ceux qui sont motivés. Prochain point, 11h30, merci.